imaginaire au service de l'environnement, Thierry Exposito de l'association Artica basée à Aix-en-Provence sillonne la France à bord du Nautilus, un bus itinérant habillé comme le sous-marin du roman de Jules Verne 20 milieux sous les mers. Le Nautilus s'est arrêté 4 jours à Châteaubriand. Près de 400 enfants ont pu monter à bord. Pulseo vous propose tout de suite de rencontrer le capitaine Nemo. C'est des vieux bus hein, qu'on retape. Donc on a nos ateliers sur Marseille, donc on leur donne une deuxième vie hein, finalement. Hein. Donc on enlève les sièges, on fait travailler un petit peu notre imaginaire, un peu comme le faisait Jules Verne. Et à travers ça, on détourne un petit peu aussi des objets et on développe des thématiques à l'intérieur, toujours basées, toujours pareil, sur la sensibilisation. Hein. Alors la visite, on rentre à bord du Nautilus, donc ici... On va regarder déjà un petit film d'animation qui s'appelle Marin. Alors c'est un film qui a été réalisé par une école d'infographie sur Montpellier. Donc on travaille toujours dans l'imaginaire. Hein. Donc c'est un marin à bord d'un bateau à roues, un petit peu comme dans le sous-marin. Et à bord de ce bateau, hein, il y a un marin qui veut essayer de sauver son petit poisson rouge. Donc c'est une histoire qui parle aux petits et aux plus grands. Donc toujours dans l'imaginaire. Et à la fin de l'histoire, bien évidemment, l'eau de pluie va sauver à la fois le marin et le poisson. Alors, c'est vrai qu'aussi, pour le grand public, on développe aussi des quiz sur informatique. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques postes informatique. Toujours pareil, sous forme de jeux, des quiz informatiques, toujours sur l'eau. Hein. Donc il y a des chiffres qui marquent, comme... Par exemple, l'accès à l'eau. Hein. On sait qu'aujourd'hui encore, il y a un enfant sur 7 qui n'ont pas accès à l'eau. Donc c'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont marquants. Tout ça, toujours pareil pour sensibiliser hein, à l'importance de l'eau sur la planète. Hein. C'est vrai que parfois on s'amuse. Hein. De toute façon, le capitaine Nemo, déjà, il est là pour s'amuser. On fait passer des choses hein, de façon ludique. Donc c'est vrai qu'on va jouer... les dauphins, sur la pollution aussi, sur les sacs plastiques, etc. Et c'est vrai qu'il y a parfois des questions pertinentes, donc toujours sous forme de jeu. Donc on s'amuse à chaque intervention, à chaque classe. Ah oui, on est des grands navigateurs. Hein. C'est vrai qu'on fait pas mal de kilomètres. Et après, on revient vers chez vous, je crois, au mois d'octobre. Donc vous pouvez consulter ça sur notre site internet, hein, www.artica.asso.fr. Alors c'est vrai qu'on a pas mal d'escales et on revient régulièrement avec les mairies qui nous refont travailler parce qu'on a d'autres décors itinérants avec un bateau pirate, enfin toujours dans l'itinérance. Et on est en pleine construction d'un nouveau sous-marin, donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place, plein d'imaginaires, on est des petits-enfants, voilà. Et chaque enfant, à l'issue de la visite à bord du Nautilus, repart avec son diplôme d'ambassadeur de l'eau, un diplôme sur lequel sont rappelés les petits gestes au quotidien pour limiter la consommation d'eau.